En tant qu'ambassadeur en Tunisie, évidemment, ma principale priorité, c'est d'affirmer le soutien de la France au peuple tunisien, de dire que la France a confiance en l'avenir de la Tunisie et du peuple tunisien, que la France est admirative de ce qui s'est passé, ce qui a montré la maturité du peuple tunisien. Et la Tunisie, je crois, dans sa révolution, a joué un rôle pionnier, exemplaire. On a mis en place, en liaison avec les autorités tunisiennes, un plan d'action qui est centré sur trois axes. Le premier axe, c'est évidemment le renforcement des liens entre nos deux sociétés civiles à travers l'amélioration de la circulation, à travers aussi des liens entre les ONG des deux pays, et renforcer ces liens. Le deuxième axe, c'est un axe économique. Comment aider la modernisation économique en Tunisie, comment aider, renforcer les emplois en Tunisie. On a mis plus de 1200 entreprises françaises qui emploient plus de 100 000 Tunisiens aujourd'hui. Et on veut continuer à améliorer ces liens de confiance économique. Et puis enfin, le troisième axe, c'est tout ce qui est des mesures pour accompagner le renforcement de l'état de droit en Tunisie, donc avec de la coopération entre toutes les institutions françaises et tunisiennes qui contribuent à ça. Ça peut être des écoles de journalisme, des écoles de magistrature, voilà, tout ce qui fait un état de droit dans un pays. Écoutez, moi je trouve que c'est merveilleux que les Tunisiens se mobilisent pour parvenir à faire revenir le tourisme en Tunisie. C'est quelque chose de très positif, et moi je souhaite qu'en France aussi il y ait une campagne sur le thème venez bronzer citoyens en Tunisie, et donc une campagne qui permette en fait aux Français de revenir en toute confiance en Tunisie pour y passer des séjours agréables. Et passer un séjour en Tunisie, ça a deux effets très importants. Le premier effet, c'est un effet de brassage, de meilleure connaissance de l'autre et de soi. Et le deuxième effet, c'est un effet économique, parce qu'un touriste qui vient en Tunisie, il fait travailler de très nombreux secteurs de l'économie, les transports, l'industrie, l'artisanat, l'habillement, l'hôtellerie évidemment. Et donc c'est quelque chose, un touriste qui vient, c'est une vraie coopération économique aussi. La première chose que veut faire la France, c'est soutenir très fortement la tenue de cette conférence internationale de Carthage qui pourrait se tenir à la fin du mois de mars ou début avril, qui est une conférence internationale de soutien à la Tunisie. On veut vraiment être aux avant-postes pour soutenir cette conférence. D'ailleurs, on a une ministre, Madame Lagarde, qui va venir avec plusieurs secrétaires d'État français, notamment les affaires européennes et le tourisme, pour soutenir cette initiative. Et la France veut vraiment être à l'avant-poste de la mobilisation de l'Union européenne en faveur de la Tunisie. Je crois que le moment est historique, et le moment est venu pour l'Union européenne, qui a beaucoup financé l'Est ces dernières années. Le moment est venu aussi de penser au sud de l'Europe, et le sud de l'Europe, c'est la Méditerranée, et c'est en particulier la Tunisie. وتفاؤل وفرنسا مع الشعب التونسي الشقي